Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Metal Arms. On se retrouve là où on s'est laissé. On est toujours dans le réseau urbain 1000 et on doit retrouver la chance. Chut, comme ils le disent. C'est un nom tout à fait correct pour un agent qui doit s'infiltrer. Qu'on n'a pas vu, hein. On a juste vu ses yeux à travers une grille dans un niveau assez compliqué. Très court mais compliqué. On a une petite musique. Je ne sais pas s'il faut que je m'infiltre. Peut-être qu'il faut que je puisse m'infiltrer. Absolument pas. Ça n'a pas réussi ce que je voulais faire. C'est pas grave. Ça sent la mort, ça. Ok, on a récupéré pas mal de vie. On va repasser sur le roquette. Ah, c'est compliqué quand même le roquette. Sympathique cette petite musique. Ah, j'aurais espéré qu'il me donne des munitions de la rifteuse. Aïe aïe aïe. Ah mais c'est parce qu'il y a une tourelle, ok. Oui. Ouais, ok. C'est pas grave. Maintenant je vois un petit peu mieux ce qu'il y a devant nous. Ok. Voilà, on a éliminé les trucs les plus embêtants. Oui, ils nous redonnent un petit peu de roquettes. Eux, ils vont m'emmerder. Des grenades. D'autres types de grenades. Ça, je prends. Alors. D'accord, il est là le fou à la roquette. Bon, la musique s'est arrêtée, je pense qu'on a fait le ménage. Après. Ah non. Elle reprend. C'était juste qu'elle était en train de faire sa boucle. Après, je ne sais pas si il y a peut-être moyen de passer discrètement la zone, mais j'ai quand même quelques doutes. Pourquoi on doit quand même exploser la porte. Ah ah, j'ai récupéré une puce. D'accord. Et est-ce que du coup il serait recrutable? Exactement. Voilà. Avec moi.
Alors, par contre, il faut reculer. Question. On va pas tout de suite le prendre. Oula. Attends. Je vais laisser mon pote faire le boulot. Ah non, j'avais droit qu'à un seul pote. Ah, vas-y, je l'ai eu. Ah, ça sauvegarde. Ah, le problème, c'est que j'aurais dû casser. J'aurais dû casser la porte avant. Comme ça, je serais passé avec le. Avec le robot. Ok, ça a touché. Allez, éloigne-toi. Bon, au moins on a eu une sauvegarde. C'est déjà pas mal. Par contre, ça va être compliqué. Cette phase de shoot. Ok, mais déjà, on n'en parle plus. Ok. Le problème, c'est qu'on a un truc qui vole là-haut. Il est là. Mourir. Ah ouais, ah ouais, ah oui. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Voilà, c'est mon pote. À moins que... Non bah j'ai plus d'IEM. Ouais, j'ai pas grand chose en grenade.
essayer d'être plus agressif. Tu... Qu'est-ce que tu fous? Tu m'étonnes que je galère si mon pote il vient pas. Presque envie de recommencer. Parce que... Une fois que c'est mon ami, je peux plus l'utiliser, c'est ça? Pas être un ami toxique et lui prendre le contrôle de sa vie. Non, ça marche pas. Si. Si, voilà. Donc on va pouvoir peut-être un peu mieux jouer avec lui. Positif, on s'est auto-explosé. Donc déjà, ça c'est pas mal, ça met du soin à droite à gauche, ok. Et nous on est full vie pour aller affronter le truc qui vole. Je crois qu'il y a un petit robot au loin. J'aurais pas dû. Ok, on a déjà pété un bras. Deux. Ouais, cette arme c'est quand même la meilleure contre cet ennemi. On lui laisse tirer sur son barrage de roquettes. Sortir maintenant. C'est bon. Voilà. Technique et ça passe. Donc, j'imagine que l'agent est toujours au même endroit. Est-ce qu'on a reconnu les lieux? Absolument pas. Oula, vous êtes nombreux là.
m'ont mis extrêmement cher. Normalement, il reste un petit bout de soin là-bas. C'est pas non plus extraordinaire, hein. Est-ce que vous croyez qu'il faut que je le recrute? Je crois que j'ai caché une grenade importante. Alors, à moins que je le recrute et je réutilise la console. Je peux le contrôler et aller ouvrir la porte. Non, quel con. Non, console hors service, donc c'est pas ça. Alors attends. Ah non, ça sert à rien. Mais non, ça sert à rien, ils viennent à l'infini. Par là. Est-ce que je peux lui demander de faire des choses? Décharger. C'est pas exactement ce que je veux faire. Ah oui, mais ce que je peux faire. Voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. J'avais oublié la lance. Bon, du coup, il est vraiment mal en point, mon pote, mais... Au moins, il va pouvoir nous ouvrir ici. Bonjour. Alors, ça va être un petit peu compliqué vu comme vous le voyez, on n'a pas beaucoup de vie. C'est de jouer un petit peu à cache-cache. Ah non, il vient me chercher. Ça va être nécessaire.
mis un coup, c'est toujours ça de prix. Tac. Ok. Comme ça, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Quand même réussi à me toucher. Hein. Ok. Je sais pas s'il reste le mec à la rifteuse. Mais ça a l'air d'aller. Qu'est-ce qui s'est activé? Ah, les jambes. Les jambes ne sont pas mortes. Ok. Bon, on est pas beaucoup mieux en termes de vie, mais on progresse. Aïe. Vache. La vache, ça va être compliqué ça. Ouais, il va être compliqué ce niveau. Ok. Ok, ok. Ça c'est dézingué. Alors, le truc c'est que là vraiment en grenade, c'est compliqué. Je pensais pas que ça me toucherait. Je pensais être protégé par le mur, mais pas du tout. Ah, c'est dommage. On était plutôt pas mal là. Ok. Semble que j'ai eu le lance-missile à l'entrée.
Alors pourquoi j'attaque le gros avec cet ennemi, avec cette arme, au lieu d'utiliser le lance-roquette? C'est parce que celle-ci... Et pour celle-ci, on a plein de recharges derrière nous. Par contre, s'il vient, on est mort. C'est chaud. Je vais essayer de balancer deux roquettes cette fois-ci. Ah, c'est vraiment chaud, c'est vraiment chaud. Derrière qui est pas mort. Ouais. Alors, je vais faire un backtracking en me disant que peut-être j'ai loupé encore une fois le vendeur. Bon, déjà, ça va être pas mal. Il y a des grenades. On a loupé le marchand. Non, j'arrivais d'ici, donc il était... Là, il y a d'autres grenades. Ici, on a une puce secrète, comme ça vous le savez. J'essaie de voir si j'aurais pas loupé une petite vie, un petit truc comme ça, parce que là, là c'est dur. Là, ça va être très, très compliqué. En termes de vie, on est pas mal. Hein. Bah justement, on est dans le mal, quoi, plutôt. Les munitions, ça va. C'est ça. Ça, c'est pas nettoyé. Ok. Et lui là-bas. Quatre roquettes. Ah, il est en bas. Non. Là, je l'ai eu. Ok. Ok, ok. C'est peut-être ma chance. Petit point de passage, surtout. Petit point de passage ou de la vie. Et un robot. Okay.
un lance-roquette, donc c'était dangereux. C'est pratique hein, qu'ils aient des flatulences. On va savoir s'ils sont là. Ok. Ouf. Qu'est-ce que j'ai dit sur tes semelles métalliques? Dis-moi juste que tu as trouvé la position d'Exavolt. Désolé, Jean-Ch. Oui, le docteur Exavolt est détenu dans la tour de la ville d'Emils. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Infiltre-toi dans le quartier des affaires sans te faire voir. Entre dans la tour, parle-toi et délivre le docteur Exavolt. Et un premier niveau dans cette vidéo de terminer. 30 minutes, ça a été un peu compliqué, mais on a réussi à passer les lumières de la ville, Cité 1000. Donc on continue dans la Cité 1000. Il va falloir éviter les robots. C'est ça que t'es en train de me dire. Que je vise ça. Et que ça marche si je cours. Ouais, non. Non, à mon avis, c'est pas ça la solution. Mais qui ? Oh bonjour. Ah, arrête. Il est fixé sur un truc, je ne sais pas quoi. Secrète. Alors j'aimerais savoir surtout où est-ce que je dois aller parce que... L'infiltration c'est bien, mais c'est mieux quand même quand tu sais où tu dois aller. Sérieux, c'est gratuit ça.
Là, j'ai détruit les droïdes qui scannent. Maintenant, normalement, je peux avancer un peu plus tranquillement. Ah, ça a ouvert la porte. Mais qui? Je pense qu'il faut que, quand même que je chope les tourelles. Je pense que je vise pas bien là. C'est lui que je voulais éviter. Pas le robot en face de moi. Truc volant. C'est mort, hein, mais... tout jamais. Je me demande si on peut vraiment s'infiltrer. Si tu calcules bien, tu n'avais aucune chance. Je me demande. Voilà. Ouais, lui, il a pas eu le temps d'avertir ses potes. Il fait son petit demi-tour ici. Ok. On va essayer de passer sans détruire les tourelles.
lui, je sais pas comment je suis censé le passer discrètement, hein. Bon, bonjour. Ouais. J'espère qu'il en reste d'autres dans son genre chez lui. C'est bon. OK. De voir s'il y a vraiment moyen de passer par les toits, mais... Putain de mur invisible. Il a perdu ma trace. Ça a l'air, hein. Ça a l'air. Point de passage. Ok, on avance. Passé. Soldat, au rapport. Soldat, au rapport. Ce doit être votre première mission. Poste et numéro d'opération, maintenant. Bon. J'ai fait un petit peu de ménage. Mais non. Bonjour.
Oui, alors là, non, là, là, c'est mort. Ouh, je sens que ce niveau il va être casse-couille. Ouais, non, je vais pas tenter ça. Parce que ça sent le point de passage qui va être impossible à passer si je force. Perdu. Je vais aller le plus loin possible avec pour essayer de détruire un petit peu. Bon, c'est déjà un peu mieux. C'est déjà un petit peu mieux ici. Problématique, c'est ce truc qui vole, hein. C'est où? Ok. Ok, ça m'a pas trop repéré. On va pas me voir là, je suis coincé, je suis caché. Putain. Je suis sérieux lui. Non mais il faut arrêter. En plus il vise trop bien. Merde. Oh merde.
peut espérer qu'il m'oublie. Alors l'alarme sonne, mais peut-être que... Le prochain point de passage il est là-bas, mais il va être tellement compliqué à aller chercher. Il se passe rien, petit vaisseau. Ouh, petit missile bien anticipé là. Ok. Alors le ménage déjà ici il est fait. Ah ouais, je sais que je suis en perte du signal. J'aimerais alors éliminer deux trucs ici. Merde. Je sais pas si je l'ai eu avant de mourir. Parce que je voulais essayer deux choses. Je voulais essayer de détruire celui qui est au-dessus et le petit module qui bouge et qui donne l'alerte. Et qu'il faut détruire pour pouvoir passer. Attendre qu'il passe et on va aller se planquer à un endroit un peu plus safe que tout à l'heure. Ah, c'est pas un niveau où on peut aller rapidement, donc je suis désolé, hein, la vidéo va être super longue aujourd'hui. Si je peux me planquer là. Peut-être. On le voit. Il va lâcher l'affaire.
Non, il va pas lâcher l'affaire. Quoique si. Non mais je te vois, t'es là, t'es prêt à me tuer. Avec un peu de chance, il s'est bugué. Alors attends, on va détruire eux. Non, ça passe pas. Ça ne passe pas. Bon écoutez, je fais une ellipse et puis je vous mets la tentative réussie sinon ça va être trop long ce niveau. Et on se retrouve tout de suite. Allez, première tentative depuis l'ellipse. On va essayer de passer ça discrètement. Et je vais essayer un truc. Qui va être de... Là, de faire les premiers comme d'habitude, ainsi que celui qui est au-dessus, de sortir du robot et de revenir le prendre par ici pour qu'on ait plus de portée. Alors lui, il s'est vite fait douter de quelque chose, mais c'est tout. Du coup, si je fais ça. Ça marche. Ça marche, ça marche. Ok, il y a lui qui dort. Voilà. Donc, techniquement, là, je me suis dégagé la voie. Normalement, on devrait pouvoir passer vite. Il va par là-bas, c'est mon moment. Et là-bas, il fait sa ronde. Il m'a vu. Mais le truc est ouvert. Donc je peux passer.
Alors peut-être que je vais les utiliser pour avancer. Point de passage. J'espère que je me suis pas mis un point de passage trop compliqué. Bon, au moins ça progresse. Effectivement, il poursuivra jusqu'au bout du monde. Oh, mais il y a son pote qui vient aussi. C'est que ça. Un bouclier, d'accord. Ouf, double tourelle là. Et un vaisseau sentinelle. Quoi? Oh là là, il va être super long ce niveau. Bon, au moins le point de passage réinitialise sa position à lui. Il me fout la paix. Ah, il va pas me voir. Est-ce que vous croyez que je peux contrôler? Ah, il m'a vu. Je bourre, hein. C'est juste pour voir où je dois aller. D'accord, il va falloir que j'aille jusque là-bas. J'ai pas de grenade recrutement. Ça c'est IEM. Ouais, c'est ça. Je laisse passer. Je fais son demi-tour. Et d'où? Cesse de fonctionner.
fonctionner, mineur. Bah alors là, je sais pas d'où je me suis fait repérer. C'est compliqué. Je suis mort, hein. Je le sais, c'est bon. Et elle me voit, putain. Bon, écoutez, je vais faire ça moche. Je vais faire ça très très moche. On va bourrer. Ah, c'est passé. Alors c'est dégueulasse, hein, on est d'accord, mais c'est passé. J'ai honte de ce que je viens de faire. Rejoignez la tour. Mais on y est, mais c'était trop galère. C'était trop galère. Bon, a priori, c'est... Oui, bah attends, je finis mon épisode. On recommencera la prochaine fois avec ce combat qui s'enclenche direct. Donc je pense que le côté infiltration, discrétion est terminé. Mais bon, voilà, bah, là, c'était un petit peu trop galère. Je comprends l'intérêt de l'avoir fait. Et c'est cool, hein, c'est cool d'essayer de varier les gameplays comme ils le font depuis le début du jeu. Mais c'est vrai que le gameplay là de Metal Arms, pas trop pour l'infiltration. Et puis bah, j'ai pas envie de passer 15 heures dessus, sur ce niveau, hein, juste. Donc voilà, je me suis contenté de courir et ça fonctionne. En plus, on est entièrement soigné. Donc voilà, hein, si ça passe, c'est que le jeu l'a prévu quand même pour qu'on le fasse. Donc c'est bon. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu, que cette escroquerie ne vous révolte pas trop, et nous, on se retrouve demain pour la suite, en essayant de jouer un peu plus dans ce que le jeu veut. Et puis bon, là, de toute façon, ça a l'air de repartir sur du combat, donc on repartira sur du combat. Le tank me fait un peu peur, donc je sais pas trop ce que ça va donner. En tout cas, nous, on se quitte ici, et portez-vous bien, et je vous dis à la prochaine.